Ce projet était initié par l'équipe pédagogique de l'école maternelle et primaire, et la mission aujourd'hui est portée par Michel. Et nous pouvons la remercier pour le travail accompli et pour son investissement auprès de vos enfants. À la rentrée prochaine, cet accompagnement de la maîtrise de l'anglais se poursuit au collège avec une première option Cambridge en 6e pour une certification fin de collège. Il nous paraît important aujourd'hui de le proposer à chacun et à chacune. Cette première cérémonie est donc une première étape pour permettre à vos enfants une ouverture à l'international. Je vous souhaite à tous une bonne cérémonie. Merci à tout le monde qui a contribué à ce programme d'anglais à votre école. Je suis très heureuse que tous les enfants ont porté un bout de cravate et pas une cravate. Une cravate. Je suis très fière que tous les enfants, certains enfants apprennent l'anglais, seulement depuis 7 mois. Aussi, nous avons le plus jeune en Europe qui a passé l'examen cette année. En effet, vous êtes réunis aujourd'hui dans cette église qui porte une partie du patronyme de votre groupe scolaire, Notre-Dame. Certains, peut-être parents, ou sont surpris, ont été surpris qu'une cérémonie de remise de diplôme se déroule dans une église. Est-ce que Cambridge a quelque chose de religieux? Non. Mais les cérémonies, comme à l'université, se déroulent dans des lieux comme ceci, église, chapelle d'université, pour plusieurs raisons. La première raison, chers enfants, regardez derrière vous. Vous avez en haut un ordre. Un bel ordre. Peut-être vous ne le saviez pas, mais l'orgue représente un établissement scolaire. En effet, l'orgue contient plein de tuyaux. Chaque tuyau fait un son bizarre, aigu, grave. Mais lorsque toute l'équipe enseignante travaille ensemble et que les enfants sont épanouis, c'est comme l'orgue, il résonne de belles mélodies. Or, l'orgue doit être le symbole de vos établissements scolaires. Chers élèves, je souhaite à ce que vous applaudissiez très fort vos parents et l'école pour la chance qui vous a été donnée de passer ce diplôme. It's not a cry that you hear at night.
Thank you.
troisième levée de chapeau. Eh ben